Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Après les grandes vacances, on se remet au travail. Toujours le sujet du Covid. Et aujourd'hui, on va parler de la lettre du maire de Montfermeil, qui a publié ça sur la page Facebook de la ville et qui voilà, invite les parents à vraiment se poser la question de vacciner leurs enfants. Par rapport au risque que la vaccination des enfants peuvent avoir. Et donc, ça a provoqué un tollé sur la scène médiatique où on lui dit, il n'est pas médecin, il n'a pas son mot à dire, ce genre de choses. Mais c'est le signe d'une résistance et on voulait en parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on lise quelques. Bon, déjà rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a déjà différents points dans ce que tu dis qui sont pertinents, je te remercie. Oui, pour moi, je souhaitais qu'on évoque très simplement Montfermeil, ça aurait pu être ailleurs. C'est simplement, il est assez rare de voir des maires de ville moyenne, ou de ville d'ailleurs en général, oser quelque part s'afficher et s'opposer, et encore c'est très prudent, hein. Mais néanmoins. On avait déjà fait une vidéo sur Lionel Lucas aussi qui avait annulé les fêtes de l'été parce que à cause du pass sanitaire, il disait bah, si il faut un pass sanitaire, j'annule tout parce qu'il n'est pas question de discriminer les gens à l'entrée de ces fêtes. Donc, pardon, pour l'aparté, je te Mais je t'en laisse. prie, mais tout à fait. Donc, c'est assez rare et le simple fait, comme tu l'as dit, qu'il y ait eu un tollé en réaction, c'est pas comme si, je ne sais pas moi, la maire de Lille, de Marseille ou de Lyon, Montfermeil, ça reste quand même très modeste comme ville. Et néanmoins, on lui tombe dessus. Donc ça montre bien que le message ou l'attitude qu'il a pris gêne. Parce que pour moi, ça ne pose pas de question. Le mec, il est tout à fait cohérent dans son propos, il me semble. Mais tout de suite, on lui tombe dessus. Donc déjà, c'est un fait qui est intéressant en soi. Ensuite, tu l'as dit toi-même, c'est pour rappeler à la responsabilité des parents, hein, ce qui devrait normalement être la règle. Hein. L'État n'a pas à se mêler de la santé des gamins, n'a pas de décision et d'interférence à avoir avec la santé des gamins. Là aussi, ça devrait être du bon sens. C'est de même que c'est aux médecins de choisir ce genre de choses et que la dernière chose, bien évidemment, c'est la vaccination. Pourquoi pas? Mais ça doit être une décision individuelle. On revient sur des choses qu'on connaît, toi et moi, et pour lesquelles, bien sûr, on va nous traiter de complotistes, ou certains en tout cas, mais qui sont pourtant tout à fait logiques par rapport à des logiques même des institutions déjà, et certainement de liberté. Donc, ce que je trouve intéressant avec Montfermeil, c'est il y en a qui ont osé pardon, résister. Il y en a beaucoup trop peu. On devrait avoir 36 000 maires, 35 000, qui aient une réaction tant soit peu comparable. Évidemment, on ne devrait pas leur tomber dessus. Et les arguments qu'ils avancent, ce sont des arguments que n'importe qui pourrait ou devrait avancer. Voilà, moi, je partais déjà sur ce point très, très, très basique. Après, il y a peut-être des points qu'on peut compléter avec la lettre, je t'en prie. Mais ne serait-ce que ça mérite déjà d'être appuyé. Ouais, on va la partager rapidement, mais donc là, bon, il décrit la situation, il dit que des traitements existent pour alléger le. Voilà, quand des personnes sont contaminées ou ont des symptômes, il y a certains traitements qui existent et Bien qu'il sûr. faudrait plutôt essayer de les favoriser plutôt que de les boycotter ou de les bloquer, purement et simplement. Et Bien sûr. ensuite, il appelle. Voilà, les parents, vraiment se renseigner, à prendre la décision en leur âme et conscience et pas de se sentir forcé de le faire pour entrer un peu dans le moule et subir accepter un peu le chantage qui est fait sur les passes sanitaires, sur les activités sportives. Parce que maintenant, le passe sanitaire, c'est à partir de 12 ans. Donc, c'est vrai que les enfants, à partir de 12 ans, ne peuvent plus faire d'activités sportives s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, C'est hallucinant ça. Tu vois, un argument que je n'ai pas vu utilisé très souvent. Il vaut ce qu'il vaut, mais je te le livre comme il me vient.
Et qui rebondit sur le côté, bien sûr, des soins. On pense à hydrochloroquine, ivermectine, j'ai encore du mal avec Ivermectine, ouais. ce. Mais ivermectine, merci. Bon, peu importe, j'entends qu'il y en a d'autres, pas de problème. Ça me paraît être des démarches classiques en médecine. Il y a quelque chose qui arrive, que ce soit une pandémie. La pandémie est un phénomène. Après, il y a la maladie en tant que telle. La maladie est une maladie comme d'autres. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas imaginer pour une maladie des différentes techniques qui peuvent la traiter. Hein, la vaccination peut être une technique, c'est certainement pas la seule. Et inversement, bien sûr, on est aujourd'hui dans un monde, en tout cas dans un environnement qui n'envisage plus que la seule vaccination. C'est un des problèmes. Et la question qu'on peut se poser, c'est la prochaine maladie qui va débarquer, quelle qu'elle soit, on fera de même. C'est-à-dire qu'on n'envisagera rien d'autre et on attendra et on mettra toutes les ressources, tous les paris sur une seule vaccination, si tant est qu'il y en ait une. Hein. Ou est-ce que sur une autre maladie, vraisemblablement, on imaginera comme pour n'importe quelle maladie, éventuellement à chercher des traitements, peut-être des vaccinations, peut-être du palliatif, etc. Classique, et je ne suis pas médecin, c'est du classique de base, quoi. Donc tu comprends que la question que je pose, c'est que est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ou décidément aujourd'hui, quelles que soient les nouvelles maladies qui arrivent, de toute façon, on ne va attendre que des vaccinations. Ou est-ce qu'on sait à l'avance que non, on reviendra à la bonne pratique, au bon sens, et on envisagera des traitements? Et dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas pour le Covid? Ouais, mais ça, ouais, ça c'est vraiment je pense, c'est un peu c'est même la source où je dirais c'est la question pour moi fondamentale. C'est que quand tu poses cette question, tu dis bah, si cette logique-là de confinement, restriction des restaurants, passe sanitaire, si vous l'appliquez à toutes les maladies existantes et aux futures nouvelles maladies, enfin, bah, on va jamais s'en sortir. Et ce qui est étonnant, c'est que tu as l'impression que les personnes ne réfléchissent à cette éventualité que. En fait, cette logique que tu appliques pour le Covid, qui n'est pas si grave, qui n'est pas si létale, enfin, je Qui pense n'est qu'il pas grave du tout, même. faut revenir un peu sur Terre. Bah, si tu l'appliques à des maladies plus. Enfin, déjà, pourquoi tu ne l'appliquerais pas à d'autres maladies comme la tuberculose ou autre? Bah, si on devait appliquer ça pour toutes les maladies, en fait, on devrait être confiné en Ad vitam permanence, aeternam, ad vitam quasiment, hein. aeternam. Parce que juste une petite anecdote, moi je discutais avec mon ancienne fille au père qui est infirmière et elle me disait que on l'oblige à être voilà, vacciné Covid, mais qu'en fait dans son service il y a des infirmiers qui ne sont pas vaccinés contre la tuberculose et que Ah oui, ben certains ont voilà, demandé ben voilà. à être vaccinés, on leur dit ouais non ça sert à rien et Ah ben c'est voilà. juste hallucinant et on n'a même pas nous de rappel sur la tuberculose ou de le fait Non. de se faire Ah. voilà, Alors que vérifier qu'on a. Alors que Alors que c'est une sauf maladie erreur de ma part, beaucoup plus grave. c'est celle qui tue le plus au monde, que je sache. Hein. Alors peut-être pas ici, mais que je sache, c'est le chiffre le plus important au monde. Voilà. Et si tu veux, cet argument, il m'est venu, mais. Comme ça, parce que je me suis dit, mais bon, mais c'est tout simple. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une espèce de précédent dans les pratiques médicales et notamment le rôle du médecin? Parce qu'aujourd'hui, le médecin généraliste, il ne sert plus à rien, quoi. Oui, c'est un administratif qui fait Puis un tu peu ce sais qu'on même lui pas dit de faire, trop. qui Ouais, puis remplit des tu sais. feuilles. Puis surtout dans un scénario comme celui-là, il va servir à quoi? À strictement à rien. Déjà qu'il ne sert plus à grand-chose, puis de toute façon, on va pour aux urgences pour un oui, pour un non. On est vraiment dans une logique de collectivisation des soins où on rentre dans un goulet qui est les urgences et plus médecin Hôpital, oui. généraliste, l'hôpital, et puis voilà. Donc, ça pose quand même, tu vois, il y a l'inconvénient liberticide dont on parle, toi et moi, régulièrement, bien évidemment, mais ça pose aussi un regard ou des hypothèses sur la façon d'imaginer la médecine, hein, et les rôles de l'hôpital, du médecin, etc., qui est déjà très embêtante du point de vue de la soviétisation dont on parle parfois, mais qui aussi conduit à se poser la question de la pérennité ou la pérennisation de toute cette philosophie vaccinale et confinatoire qu'on subit. Donc je pense qu'il faut, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut aussi, à mon sens, savoir
râler comme l'a fait ce maire de Montfermeil pour dire, mais ce n'est pas juste un problème de pro-vax, pas-vax, etc. C'est fondamentalement, on ne peut pas rester durablement dans une vision de la médecine et quelque part des petits bobos, parce que le Covid, c'est un bobo, qui conduisent à avoir les gamins vaccinés pour un oui, pour un non, les gens confinés pour un oui, pour un non, etc., etc. Donc, tu sais, parfois on entend les gauchistes quand dans le monde du travail de parler, tu sais, dans un autre monde ou envisager une autre façon du travail, etc. Là, on est clairement au seuil, il me semble, de un autre monde, en tout cas pour ce qui touche à la santé. Oui, Et bien sûr, où la on te liberté. demande en plus avec le pass, en plus avec maintenant le pass sanitaire qui est rentré, enfin, et je ne sais pas trop si s'il s'en ira parce que Véran a dit que potentiellement si l'épidémie continuait, il le conserverait. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison si tu suis leur logique pour que le pass sanitaire s'arrête. Et au final, ça choque personne d'aller au Je restaurant, de pense montrer qu'ils un n'ont pass aucune. sanitaire et Ouais, je pense qu'ils n'ont aucune intention de supprimer le pass sanitaire, strictement aucune. C'est ouais. aucune. Ouais. Et ce qui est bon, surprenant, c'est oui, au niveau des, bah, des ambulanciers, là. Donc, je parlais encore de l'anecdote de mon ancienne fille au père, donc, qui est infirmière ambulancière, et qui disait qu'elle, chez elle, en fait, il y avait à peu près la moitié des ambulanciers qui ne voulaient pas se faire vacciner sur ce vaccin spécifique Covid. On verra ce qui va se passer par la suite en termes de charges. Après, j'imagine que tout le monde va un peu va céder pour Ben, pas j'espère perdre bien son que non. emploi. J'espère bien que Mais non. bon. Pour ma part, je suis toujours pas vacciné. Moi non plus. Je n'ai pas de passe. Je ne peux pas aller au restaurant. C'est Bon, ça. j'ai récupéré un autre passe, mais bon, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Mais oui, pas de passe. Et en fait, ce qui, juste peut-être pour finir, je ne comprends pas que les Macron et les gens du gouvernement, en fait, ils sont dans leur logique, ils ont pris leur décision, et en fait, revenir en arrière, c'est un peu voilà, perdre la face. Et je comprends. Enfin, Ça se moi, discute, ça, hein? non, mais je partage pas enfin, cette approche. Moi, je suis complètement en désaccord avec, mais je sais que certaines personnes pensent comme ça, qu'en gros, si tu as pris cette décision, tu ne veux pas te perdre la face et donc tu ne changes pas. Mais ce qui est toujours bon, hallucinant, on l'a déjà dit dans nos précédentes vidéos, c'est que à l'opposition, il n'y a quasiment pas d'opposition, à part peut-être Philippot et quelques autres, Asselineau et On va en parler de tout ça, l'opposition mais. sur d'autres vidéos, mais oui, Ouais. il n'y a pas d'opposition, c'est bon, on est d'accord. C'est pour ça, encore une fois, et peut-être pour conclure, que cette affaire Montfermeil, dont on n'a pas vraiment parlé, moi je l'ai vue et je souhaitais qu'on l'évoque, parce que je le trouve comme symptomatique, parce que très rare. Ouais. On n'a pas vu une vague de maires ou autres édiles. Qui s'opposent ou même qui tentent de s'opposer ou qui lèvent le doigt, quoi. Il y en a, on les compte sur les doigts trop rares mains. Donc, et comme tu dis, que ce soit à gauche, à droite, au milieu, ailleurs, n'importe où, j'ai aucune idée de quel côté Montfermeil, hein, c'est même pas le problème. On Montfermeil, devrait. c'est un maire LR républicain. Enfin, non, je ne sais même pas. Non, je crois qu'il est maintenant avec il est Christine Boutin, les chrétiens démocrates. Ben Donc, c'est écoute, peut-être une raison de ben... plus pour le tollé, parce que voilà, c'est un Ah oui, intégriste. c'est possible, mais sûr, c'est un mec qui n'est pas bien, forcément. Ouais, voilà. Mais c'est trop rare et il n'y en a vraiment pas beaucoup, et ça, c'est pas normal non plus, bien sûr. Voilà. Bah, affaire à suivre, non. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.